fais que 4 là, 3, t'en fais que 4. 5, ok, ah c'est pas mal. Ah, tour du monde, ah d'accord. Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est Kotian, ça va ou quoi? Et oui, aujourd'hui, je suis avec Swahib, Ilyes et Zaïd. Ils sont venus me défier parce qu'ils ont dit: Tonton Sian, tu fais des choses, c'est bien, mais c'est de 1998. Aujourd'hui, on veut voir des skills de 2018. Donc, ces petits, ils sont venus avec 3 challenges, un challenge chacun. Ils vont me les proposer, je vais essayer de les relever. Et à la fin de la vidéo, je leur proposerai aussi un challenge. Vous êtes prêts, les gars? Ouais. Vous êtes prêts ou pas? Ouais. Vous êtes prêts ou pas? Ouais. C'est parti! Ok, Ilyes, premier challenge. Apparemment, c'est un crossbar challenge, mais un peu spécial. Il va me montrer ça tout de suite. Vas-y, Ilyes, montre-moi. Qu'est-ce que tu vas me faire? Bah, c'est de faire un skip. Ok, vas-y, montre-moi. Ah, il est plutôt comme ça, le type. T'es comme ça, toi? Ouais. Eh, hey, mais là, il est que 9h du matin. Faut que je me réveille un petit peu. Bon. On va dire que j'ai 3 essais pour y arriver. Tu me donnes 3 essais? Vas-y. Ok, c'est parti. Je vois ça. Ok, Ilyes, il m'a battu sur le premier challenge. Bon, on va aller au deuxième challenge, c'est parti. Ok, challenge numéro 2, c'est Zaïd qui s'y colle. Apparemment, il a un geste technique de folie à me faire faire. Vas-y, vas-y, je le regarde. Yeah, à 4-3000. Bon, voilà, j'ai 3 essais pour essayer de le faire. 3 essais seulement. Il a un essai. Mais ouais, je vais pas y arriver. C'était pour le troisième challenge avec Soeb. Désolé Soeb, mets la main dans la caméra. Hey Sian, c'est trop facile avec la Urban Ball, mais maintenant je te propose de jouer avec une balle de tennis. Vas-y, vas-y, montre-moi. Ok. Ok, oh, t'en fais que 4 là, 3, t'en fais que 4. 5, ok, ah c'est pas mal, ah tour du monde, ah d'accord. Ça c'est trop simple, vas-y, envoie. Je te l'envoie là. Ah ouais, envoie. Genre moi je dois l'amortir comme ça. Donc des jongles et après je l'amortis. Ouais. Et nuitier. Ok la youtubeur, vas-y je vais essayer. Hein. 15. 15 jongles. Ok. Et l'amorti. Combien j'essaie? 5. Oh là là là. Bon, la youtubeur, je peux vous dire que je suis archi content, je ne recommencerai pas déjà. On va passer tout de suite à la partie contrôle. A votre avis, pourquoi j'ai réussi? Parce que t'as bien amorti le ballon. T'as bien accompagné le ballon. En fait, déjà, à chaque fois qu'il le faisait, lui, pour gagner du temps, qu'est-ce que je faisais? J'essayais de comprendre comment tu le faisais. Même quand tu passais, j'essayais de regarder tous les petits détails. Mais en fait, je me suis mis dans ma tête, je vais y arriver. Ça, c'est le plus important. Quand tu fais un truc, il faut y arriver. Ok, la youtubeur, je vous ai ramené un bazooka gauche. Je vous ai ramené la panaball. Et oui, maintenant, c'est le temps pour voir qu'est-ce que donnent ces trois petits jeunes au pana. Vous allez me battre au pana, les gars? Ouais. Ouais. Sûr et certain? Ouais. Vous avez des stratégies? Vous avez pensé un peu avant? Ouais. Ou vous êtes concerté? Donc, ce qu'on va faire, ça va être très simple. Il y a un seul but. Celui qui a le ballon, il attaque, l'autre il défend. Sauf que vous changez entre vous comme vous voulez. Dès qu'il y en a un qui est fatigué, vous tournez. C'est tous les trois contre moi.
Quand vous marquez, vous marquez pour votre team. Quand vous mettez un petit pont, c'est un point pour vous. Quand vous mettez un grand pont, c'est un point pour vous. Quand vous mettez un sombrero, c'est un point pour vous. C'est bon ? Et pas de pitié, hein ? Ouais. Pas de pitié ? J'ai une casquette Vagabond. En fait, leur compte Instagram, c'est Vagabond Football. Pour la petite histoire, je les connais depuis très très longtemps. Leur papa m'a même entraîné pendant un championnat du monde de freestyle. Le papa est un entraîneur d'un grand groupe de break qui s'appelle Vagabond. Et j'ai eu l'occasion de m'entraîner avec eux pendant quelques semaines et ça m'a fait vachement progresser. Donc aujourd'hui, ça fait plaisir de voir que les petits garçons, ils se mettent au football. Et j'essaie d'un peu de aussi transmettre ma passion par rapport au freestyle. Pour information, ces jeunes-là jouent au Paris Saint-Germain et à l'ASBO. Donc ils sont très très bons footers, vous avez vu leurs skills, mais sur le terrain c'est la même chose. D'ailleurs allez checker, je mets leur Instagram dans la description. Les gars, vous avez un truc à rajouter ou pas? Bah ouais, franchement j'ai kiffé. T'as kiffé? Ouais, ouais. Donc voilà, si vous voulez une revanche, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Plus de 10 000 pouces bleus, on fera la revanche. Je vous ai ramené des Urban Balls, je vous ai ramené des Panaballs, c'est dans le sac, je vous les donne juste après. C'est cadeau, vous pourrez vous entraîner chez vous. La YouTubeuse, maintenant il y aura un autre défi. Tous ceux qui veulent me défier, vous mettez sur internet le hashtag défi coach Sehan, vous m'envoyez vos vidéos. Et si vraiment vous avez le niveau comme ces petits là, peut-être que je viendrai chez vous vous défier, on verra. Les gars, vous êtes prêts pour la formule magique? Ouais. Ok, donc si vous avez kiffé la vidéo, mettez un like, mettez-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir la prochaine fois. Et on se voit bien sûr à la prochaine séance. Bye. Trop tard.